notes s'accordaient sur des pianos de pierre. L'île de Pâques abritait des hommes bien trop fiers. Leur sang n'était pas bleu mais noir comme la mer. Ils avaient fait le feu, ils avaient fait la guerre. Leur héros statufié pesait plus de 10 tonnes. Mais combien sur cette île y avait-il donc d'hommes? Et que se passait-il dans leurs mains, dans leur âme? Qu'à travers l'avenir, leur force se proclame. Des grandes tailles avaient des sanctuaires où des divinités dignes de Jupiter leur dévoilaient la vie, réalité, chimère, leur disaient l'avenir, l'approche d'une autre ère. Tes grands ancêtres, ils s'appelaient Titans et connaissaient peut-être la science de la magie et la magie des sciences avant que ne leur soit imposé le silence. Des tours et de grands astronefs pour attaquer celui qui leur servait de chef et qui leur commandait un terrible retour à eux qui sur la terre avaient construit le jour. Les brumes de l'éther, à des pavés de feu soudain ils